qui est là. On va voir tout à l'heure. Salut officiellement. Et salut les différentes équipes. Problème technique. Alain. Ok, c'est l'hymne national du Maroc. On va maintenant écouter nos sœurs abidjanaises. On y va à la régie. Thank you.
Bonjour à vous, très chers téléspectateurs, et merci de l'amabilité que vous nous faites de partager cet après-midi de football avec les plus jeunes footballeurs 100 ans. Bienvenue au stade Robert Champoux de Marcory pour la finale de la 3e édition du tournoi international du district d'Abidjan, le TIDA. Et c'est en compagnie, comme au lancement donc, de Tchétché et Aimé-Henri, que nous commenterons donc cette finale entre les deux meilleures formations de cette édition. Il s'agit de l'Académie Royale Mohamed VI du Maroc et la SEC Mimosa, l'Académie donc, de la SEC Mimosa, qui donc représentera le football ivoirien. Alors la SEC Mimosa, Tchétché Aimé, bonjour. Bonjour, Benson Piraka, content de vous retrouver cet après-midi. De la SEC, voilà, on va dire 3e édition du TIDA, 3e finale hein, pour la SEC Mimosa, qui a gagné la première édition, on l'a dit, face à Barcelone, avant de perdre la 2e édition face à l'équipe du Ghana. Et cette fois, la SEC est en finale face aux Marocains. Eh bien, souhaitons bonne chance à nos compatriotes, nos jeunes compatriotes. Oui, Benson Piraka, Julien Chevalier et ses gamins ont énormément travaillé au cours de ce tournoi. Et c'est à juste raison qu'ils sont en finale. Eh bien, nous pouvons leur souhaiter bonne chance face aux jeunes Marocains qui ont fait forte impression avec une défense très, très, très solide face aux Ghanéens il y a quelques jours. Et ils ont construit petit à petit leur jeu avant de s'imposer au tir au but. Ils se savaient faibles en attaque, ils ont mis toutes les armes dans la défense et puis voilà, ils sont en finale, Benson. Et voilà, Pape Diouf, on l'a dit, hein, qui donc apporte sa caution à cette initiative donc d'Ivoire Sport Promotion, le TIDA et du district d'Abidjan. Pape Diouf, apporte donc sa caution à l'émergence d'une nouvelle race de footballeurs, des jeunes gens qui auront la lourde responsabilité dans les années à venir de porter le flambeau du football africain. Ivoirien pour la SEC Mimosa, Marocain pour la Royal Academy. Et il faut souligner qu'il y a un an, Giroud, le coach d'Auxerre était là. Et donc, Pape Diouf, c'était un monsieur à féliciter, qui répond toujours aux sollicitations des Ivoiriens. Il était à la nuit du football africain. Ouais. Et c'est un monsieur à féliciter. Ouais, d'une courtoisie exemplaire, hein. Monsieur est toujours disponible. Voilà. Il en sait beaucoup. Il ne rate aucune occasion de partager avec ses jeunes frères et ses jeunes confrères également que nous sommes. Et on va assister dans quelques petites secondes donc, au coup d'envoi de cette finale. Vous avez sans doute vu la proposition des deux formations. Une rencontre qui va être officiée par les arbitres que vous voyez, dirigée par M. Messan Alou. Zoku Sahué, Djobidjo et Djouan Awa l'accompagnent. Ce sont eux qui auront donc la lourde responsabilité de diriger les débats en cet après-midi au stade Robert Champoux de Marcory. Et la composition de la Royal Academy avec ce gardien, Atim Talil, votre ami, voilà, qui avait arrêté un penalty dans le but face à l'équipe ghanéenne. Et voilà, c'est la même configuration hein, que l'équipe qui a débarré mardi dernier face à la West African Football Academy du Ghana. Et donc l'entraîneur Daï Chayer fait confiance donc à son équipe type. On l'a dit donc les arbitres sont ivoiriens, évidemment. Vous avez aperçu tantôt. Voici donc la composition de l'équipe de la SEC Mimosa. Évidemment, traditionnellement, dans ses couleurs. Voici l'arbitre, d'ailleurs, Messan Alou, celui qui va donc diriger les débats. Assisté, j'ai dit, de Zoku Sahué et de Djobidjo. Nwa Awa est, lui, sur la table administrative, si on peut l'appeler ainsi. Et pour la postérité, les Marocains vont poser. Voici la composition de la SEC Mimosa, puisque il faut bien le noter donc la SEC Mimosa. Avec le gardien Yaron Gouran, Issa Traoré le capitaine, et puis voilà, les mêmes joueurs également qui ont disputé ce tournoi, remportant victoire après victoire. Puisqu'on rappelle, hein, ce tournoi, il n'y a pas de match nul. Non, il n'y a pas de match nul. Voilà. En cas de match nul, on passe directement au tir au but. Il faut forcément un vainqueur à l'issue de chaque rencontre. Et la SEC Mimosa a remporté tous ces matchs hein, depuis le début de ce tournoi, battant notamment
L'équipe autrichienne de Red Bull Salzbourg, 3 buts à 1. La SEC qui s'est ensuite imposée au tir au but 2-1 face au Burkina Faso, au Royal Academy, Royal Football Club pardon, de Burkina Faso, avant de battre la fondation Bata de Guinée équatoriale 4-1. Et puis hier matin, en demi-finale. Vous avez dit la fondation Bata ? Oui, Bata. Oui, comme Bata. Oui, comme Bata. Comme la fameuse ville bienheureuse pour la Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. La SEC qui a battu en demi-finale. Alors que vous entendez à l'instant même le coup de sifflet inaugural de cette rencontre, la SEC qui a battu en demi-finale l'équipe ghanéenne de Wafa. C'était l'affiche de la finale de l'année dernière, 1-0. Et les Marocains, eux, se sont imposés au Burkinabé de la Royal Football Club Academy. Également, 1-0 également. Et ce sont donc les deux meilleures formations à l'issue des matchs de poule qui s'affrontent sous vos yeux. Espérons donc qu'il y ait du spectacle, surtout des buts, parce qu'il y a beaucoup de beaux jeux. Il y a les leçons apprises, malheureusement, pas beaucoup. Début en tout cas pour la rencontre qui nous a été donnée de commenter mardi dernier sur l'antenne de la première de RTI 1, pour donner l'appellation exacte. Et les Marocains, avec ce ballon de Youssoufou El Madi, malheureusement ballon qui arrive déjà dans les bras de Bamba, pardon, de Yaou Aboubakar. Yaou Gouran, j'ai mélangé Bamba, Aboubakar et Yaou. Ah ouais. Yaou Gouran, Kouadio, Jérémy. Voilà. Mon petit baoulé. Et la SEC Mimosa, fidèle à sa tradition de beau jeu, va tenter de construire une offensive. On revient sur ses bases. Issa Traoré qui va jouer. Attara Galpi, le ballon dans la défense marocaine. Récupéré d'ailleurs par sa défense. Et finalement, ce sont les Marocains avec Fekir Ziyad qui perdent le ballon et rentrent de touche pour la SEC Mimosa. À peine 2 minutes de jeu et pas de but encore. À Robert Champeau, Issa. Nous sommes dans une période d'observation de Saint-Piraka et donc les académiciens de la SEC construisent leur jeu doucement. Ils prennent leur temps pour ne pas perdre rapidement le ballon. Bien joué, malheureusement. La tête n'est pas précise. Il va mettre la. C'est bien joué. C'est bien d'avoir. Oui, mais il n'a pas de soutien. Malheureusement, il n'a pas de soutien. Ouais. C'est bien de forcer le destin. C'est une équipe très calculatrice. Hein. Cette équipe marocaine. Oui, c'est le groupe derrière. Ouais. Et attend de mener rondement les contres. Donne l'impression de subir. De subir, mais très très rapide et très précise dans ses contres. Et les Ivoiriens, Issa Traoré, capitaine de cette formation. Voici qu'il y a le ballon qui va tenter de transmettre à Kalpi ce qui est fait. Ouattara Kalpi, Issa Traoré. Issa Traoré, ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un avec sa tignasse? Oh, c'est la Claude Adjamé, non? Quelque chose comme ça, oui. Il y a une tradition de joueurs au cœur d'ailleurs, c'était là. Ouais. C'est que vous là. On va voir ce qu'il vaut ce garçon avec ce numéro 10. L'asthme est Megui. La sec Mimosa. La sec le retrait. La sec Mimosa. Et le tir contré. Qu'elle récupère bien cette défense marocaine et les jeunes noirs qui veulent tout de suite étouffer leur adversaire.
la rentrée de tous pour la Sekou Mbouza qui pour le moment donc la première équipe qui tente donc de s'installer confortablement dans ce match. Mais on a dit derrière, ce sont des Marocains observateurs, mais très attentifs. Hein. Oui, c'est avec ce numéro 17 marocain, Anas Nouader, la tour de contrôle de cette défense marocaine. Un bon public. La petite cuvette de Robert Champeau. Avec un temps doux. Ouais. Et l'Armatan hein, qui s'est installé sur la Côte d'Ivoire, en tout cas à Abidjan. Tournoi évidemment qui se déroule puisque c'est du football. Tournoi qui s'est organisé dans les règles de la avec la. Bénédiction de la Fédération Ivoirienne de Football, dont le vice-président Sorry Diabaté est présent ici à Robert Champeau, accompagné du gouverneur Mobio. Il y a aussi le président de la FIMADA. Ah, non, là, il est là plutôt en tant que président de la FIMA, le président de la FIMA. Fédération internationale. Ouais, ouais. Monsieur Bleu Charlemagne. Ouais. Bleu Loin Jean Charlemagne. L'avantage pour les Marocains, ils vont contrôler avec Youssoufi, il va chercher à mauvaise transmission. Il porte un peu trop le ballon ce garçon, le numéro 10, l'as. On sent qu'il est doué techniquement. Oui, c'est ça, on sent, voilà, c'est ça. Je crois qu'il est tellement heureux de ce ballon qu'il n'ose même pas le transmettre à d'autres. Ses partenaires. Mais on sent, hein, comme vous dites, on aimerait bien voir tout cela en pratique. Et la SEC, et la rentrée de tout sera pour la SEC Mbouza. Profite pour saluer nos amis de FIF Productions. Et bien sûr, les valeureux agents de la RTI, toujours à la tâche. Et je pense spécialement à nos amis de la diffusion. Vous permettre de suivre tous ces matchs comme si vous étiez à Robert Champeau. Et puis il y a surtout quelqu'un dans la cabine là-bas qui s'appelle Jean-Marie Tapé. Bien joué, transmission danger Corder. Demandez à quelle est l'équipe qui supporte, mais bon, n'aime pas beaucoup le jaune. Hein. Tout ce qui est rouge, c'est rouge. Et joyeux anniversaire à notre ami Edouard Koffi Sakra. C'est aujourd'hui 5 décembre, c'est son anniversaire. Le corner de la Sekou Mbouza. La terre. Oh là 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 là. Ah, vraiment. Ben, c'était défenseur. Oh, c'est un défenseur. Il a carrément écarté le danger. Oui, c'est ça. Exactement. C'est exactement cela. Ouais, c'est senti vraiment comme un joueur en danger qui a dégagé son camp, voilà, face à la menace de l'adversaire. Oh, c'est lui qui était censé menacer. Ah ben c'est comme ça, hein, des formations professionnelles. On demande toujours à un attaquant de tacler. Il y a presque 9 chances sur 10 qu'il fasse faute. Sek Mimosa, Adiran Gouran, le contrôle maintenant de Kwasi Koffi Franck, la Sek Mimosa, le centre en retrait, les jaunes et noirs, et la défense marocaine peut s'en sortir et tenter d'amorcer une offensive avec Hicham Boussefiane et la faute derrière de Kalpi. Et donc, coup franc
pour la Royal Academy Mohamed VI du Maroc. Très beau pays, hein, le Maroc. Voilà, là il est plus dans son élément maintenant. Oh, ouais. En position défensive, ouais, là, il est intraitable. Mais quand mieux. Il s'agit de contrôle de ballon dans la surface de réparation adverse, en tout cas il fait carrément le contraire. Ils ont les défauts de leur doyen. Hein. Porte trop le ballon. Pour le moment, la SEC a le monopole du ballon, hein, Benson. Hein. Ouais. Mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Oh, c'est ce qu'on vous demande dans un match. Nouvelle rentrée de touche. Concédée par Cossonou. Le Marocain El Belali. Et sur le côté droit, on va trouver un partenaire. Le danger maintenant dans le camp de la SEC Mimosa. Il réussit quand même à éloigner ce danger. Ce qui est bien avec le football des jeunes, c'est qu'on joue vraiment en appliquant strictement, hein, absolument, au sensu les consignes. Ouais. Quand tu as dit, on se met à droite, on se met à droite. Pas de raison de discuter quoi que ce soit ou de prendre des initiatives outre mesure. Voilà. Sofiane, ah, il est tout seul. Il est tout seul, évidemment. Il ne peut pas faire grand chose. Il est tout heureux d'obtenir cette rentrée de touche. Notre ami Manaoui. Vous vous souvenez bien de ce numéro 12, Reda Manaoui. Ouais, le fameux karatéka. Alors, pas d'action d'éclat pour le moment. Hein. Non, non, pour le moment, on joue au petit trot. Ouais. Tente de même si la SEC a, oui, le monopole du ballon, mais c'est vraiment à un rythme très très lent. Il y a beaucoup avec ce genre de avec ces jeunes là, on voit souvent beaucoup de passes latérales. Il n'y a pas de profondeur dans le jeu pour le moment, mais on ne joue pas en profondeur pour ne pas perdre le ballon. Et quand il continue de jouer, voilà. Quand on joue en profondeur comme ça, c'est que on est sûr de donner le ballon à un partenaire. Sur le côté droit, voilà ce que j'allais dire. Il y a un partenaire qui a tenu le ballon depuis. Bien joué. Il faut s'enlever maintenant. Et derrière. Ah oh, le ballon va passer juste vraiment. Refouler le montant gauche de Hatim Talil. C'était bien joué. Bien joué. Benson, ouais. On le voit. Le centre est parfait. Au deuxième poteau, la reprise du plat du pied. Ouais, il n'est pas très sûr de là. Il n'est pas précis. Ouais. Oh il aurait pu frapper carrément. Oui, avec oui, une reprise de volée aurait fait l'affaire. Mais il s'est dit, bon, je ne suis pas très sûr. Eh bien, c'est les académiciens, c'est comme ça. Ils jouent toujours avec la surface conseillée, ouais. C'est-à-dire l'intérieur du pied. Voilà. Eh bien, moi, je pense qu'il aurait pu mettre le plat du le coup de pied. Le coup de pied, ouais, là, je crois qu'il aurait pu frapper, effectivement. Personne n'aurait voulu même de rater, mais au moins l'initiative aurait été appréciée. Mais bon, il a tenté d'assurer quand même, hein, l'essentiel, et finalement, ouais. Ça rase vraiment le montant. J'espère que la SEC Mimosa n'aura pas à regretter cette occasion. C'est la deuxième de ce match. Ah, ça me rappelle exactement, hein, le match contre les Ghanéens mardi dernier. Ils ont fait l'essentiel du jeu. Nous avions attendu tranquillement les pénalties. Oui, ouais, parce que c'était sûr de leur gardien. Et ce jeune gardien qui a eu les attitudes de Grobla. Oui, c'est ça. Provoquer.
précisément, c'est vers ce garçon qu'on envoie le ballon. Dès que les Marocains ont la possibilité de lancer une contre-offensive, oui, eh bien, oui, parce que immédiatement, on cherche Hicham Boussafian, qui est très élégant balle au pied, qui est très technique aussi. Et donc, ça fait que le jeu marocain bascule très régulièrement sur le côté droit. Voilà. Pour récupérer, c'est bien joué. Bien joué. Oui, il y avait surtout le pied marocain derrière le joueur de la SEC. Donc, c'est bien, cet appel en profondeur. Oui, c'est très bien joué. Le ballon qui est bien dosé, qui arrive exactement à portée de derrière, en n'assure pas le lobe. Voilà, c'est déjà bien, cette phase de jeu. Là où il aurait pu utiliser le plat. L'intérieur du pied. Là. 15 minutes, 0 à 0, ASEC, Académie ASEC, Académie Royale du Maroc. Il faut rappeler que les mi-temps durent 10 minutes. Après. Le temps de jeu, 30 minutes, n'est-ce 30, pas 35 minutes. 35 minutes, ouais. Et 10 minutes de temps de pause. On sent que c'est pas sa spécialité. Hein. Dès le départ, ouais, la manière avec laquelle il va vers le ballon, on sent que c'est pas vraiment sa spécialité. De fait, il n'y va pas à fond. Il aurait dû s'attendre à recevoir ce ballon sur sa tête. Hein. Ah, il y a quelques années. C'est un ballon comme ça dans votre défense, pour se trouver un certain du Léon. Je vais vous mordre les doigts. Ouais. Wabi demande de jouer. Et notre ami Boussefchen qui se met déjà dans la voie là. C'est bien joué, dommage. Il avait réussi à échapper à la vigilance de ces deux gardes du corps. Mal joué, Benson, c'était mal joué de la part du capitaine de la SEC Mimosa. Ouais. Parce que son partenaire était pris entre deux défenseurs et il lui donne le ballon quand même. Ouais. Amélioré, Zegbeyi en difficulté. Calpi. Parlier de boucher côté Ghanéen, mais il y en a aussi pas mal. Là aussi. La SEC Mimosa a cette mauvaise remise de balle et donc le ballon va sortir. Pour un dégagement aux 5,50 m. Les 6 yards, comme on disait à l'époque. Oui, les 6 yards. Avec les backman et autres. Vous savez comment on appelait le coup franc avant? Dites-le moi. Powell. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Oh là là. Tout est fait pour que les jeunes gens soient dans des conditions optimales pour bien apprendre leur métier, mais aussi ne pas les brusquer dans les révolutions. C'est que Mimosa a décroché de trop. Il va leur valoir, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il va leur valoir une pause. Ouais. Se désaltérer tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, on va marquer une petite pause, effectivement. Permettre à ces jeunes gens de se désaltérer. Calpi
Sono. Le compte favorable. C'est le là. Ouattara Kalpi. Voilà, il faut changer de coup de gamme un peu. Le ballon finalement dans les bras de Tam. Talil. Atim Talil. Nous l'avons dit la semaine dernière, la mardi dernier, à l'image des tournois de Toulon, du Festival international de Toulon, à l'image du tournoi de Vieux-Condé, celui-ci est réservé aux moins de 18 ans. Ouais. C'est une très très bonne chose pour permettre à nos enfants, à nos garçons de se révéler au public. Alors, les organisateurs ont mis en place l'idée, il faut perpétuer. Attention, il y a une bonne occasion, Ousefiane. Ah oui, il a un peu trop retardé, il avait en face de lui trois défenseurs Mimosa. Eh bien, il n'a pas pu trouver la solution. Il a fait de la provocation hors jeu. Ouais. Il a une position de hors jeu. Voilà, on parlait de pause tout à l'heure, donc la pause rafraîchir un peu. Les dirigeants de la SEC Mimosa savent bien faire les choses. Ah, en plus, ils ont le cadre qu'il faut pour accueillir. Ouais. Bien joué, bien joué. Il est retenu, il est complètement. Il n'y a pas le petit à sec, hein. Non, le maréchal Bassolet est là. Mais c'était surtout bien joué de la part de ce gamin qui a décidé de prendre ses responsabilités, d'aller balle au pied affronter toute cette défense marocaine. Voilà, il est pris dans un étau. Il est étonné, le joueur marocain. Belali, El Belali. Il a au moins 10 bons mètres. 10 bons centimètres, 10 bons centimètres au bout de plus que son adversaire. Alors, il faut que les Mimosa fassent très attention, il faut qu'ils concrétisent la moindre occasion de but. C'est ça, parce que sinon après ça va être difficile. Voilà, on a que ses doigts en mode. Couffrant, c'est bien, non, c'est mal tiré. Mal tiré. C'était pas lui d'ailleurs qui devait tirer après, apparemment. C'est bien, en tout cas en première intention, c'est bien d'avoir frappé tout de suite. Diabaté Ibrahim Yalatif. Je pense qu'il aurait dû laisser le gaucher frapper sur ce coup franc. Dégagement. Allez la team. Il est bien monté très haut, un joueur marocain. Il va bénéficier au passage d'une faute sifflée par l'arbitre. Il est mal retombé. Hein. La 26e minute est toujours 0-0 au stade Robert Champoux de Marcory. Trop lent tout ça. Oui, parce que c'est surtout les balles latérales, les passes latérales, ça n'avance pas. Et la 5 Mimosa qui va pouvoir repartir à Diran Gouran, Kosolou,
Flono Kouakou, Dylan. Issa Traoré, le capitaine, Kosonou encore. Ah, c'est bien joué, bien joué. Peut-être oser frapper un peu maintenant. Le cap sur le côté droit. Pardon. Mauvais centre. Alors, ce qui saute aux yeux au niveau de l'attaque des Mimos, c'est qu'il n'y a pas d'appel croisé. Il n'y a pas d'appel en profondeur. Et donc, même s'il procède par petite passe, pour que le ballon arrive dans la surface de réparation, c'est un peu, j'allais dire, c'est prévu en fait. On s'y attend à ce qu'il donne le ballon dans cette position-là. Et donc, on a la méthode pour contrer. Alors que la Sèque Mimosa a tenté une nouvelle incursion. L'arbitre fait partie totalement du jeu. Il va être malheureusement. Ah, c'est bien joué. Cet échange rapide. Et les Marocains qui vont tenter eux aussi de prendre à défaut la défense de la Sèque Mimosa. Notre ami Sefiane. Il est tout seul, n'a pas de soutien, il va obtenir un pénalty. Un pénalty. Un pénalty. Un pénalty totalement justifié, Benton. Frami Boussefiane, je vous ai dit, hein, il est très, très, très futé, ce garçon. Ouais, ouais. Il a fait. Il sait que dans cette partie du terrain, dans la finale des passes, il est pas, comme un neuf. Il n'y a pas à discuter. Hein, ça, ben, vous n'avez pas le droit de toucher M. Ouattara Kalpi. La faute est flagrante. Monsieur Aloumissant n'a pas hésité une seule seconde et on peut se féliciter dans le camp marocain. Alors il faut marquer maintenant, hein, il faut marquer parce que c'est une aubaine qui ne se représentera pas de sitôt. El Youssoufi Madi face à Yaoun Gouran. Le ballon frappé et contre-pied parfait. Oui. Le contre-pied parfait. 1 pour la Royal Academy du Maroc. Et 0 pour la Sèque Mimosa. Bien joué, bien joué de la part, oui. Vous le disiez tantôt, hein, à force de multiplier les offensives ratées, on finit par se faire cueillir, comme sur ce pénalty, tout à fait justifié, hein, du reste. Ah, la manière dont il a plongé le gardien, quel que soit l'endroit où le ballon serait parti, il serait rentré. Hein. Voilà, avec son visage poupin. Oui, ouais, tout à fait. La Sèque domine et c'est les Marocains qui marquent. C'est ça aussi le football. Ouais. Pourvu que cela donne un peu plus de piquant. Un peu plus de saveur. Parler comme mon ami et frère, un peu plus de sapidité à cette rencontre. Oh là 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 là, là c'est, voilà encore une occasion de gâcher. Ben ouais, ben ouais. Je crois qu'ils sont un peu perturbés, hein, par cette ouverture du score marocaine. Ben. Vous voyez, peut-être qu'ils étaient seuls sur le terrain. Il y a bien un adversaire. Un adversaire, on l'a dit, très malin, qui observe. C'est planté. On va aller chercher un peu pénalty peut-être. Sefiane encore. C'est pas lui que j'ai. Ah oui, c'était très bien joué. C'est double contrôle. C'est pas lui que j'ai toujours le danger, Sefiane. Quel talent. Voilà, on voit ce double. Ah, alors le public qui voit rien, c'est apprécier les bonnes choses. Hein. Pas question de supporter aveuglément. On aime ces gestes techniques. Voilà. Ils ont vu les gestes, ils ont applaudi. Alors, Floudi a pu être allé au moins deux ou trois fois au Maroc. C'est un peu comme ça au Maroc. Hein. Ils vont applaudir leur équipe. Et si tu rencontres après 5 minutes que l'adversaire joue bien, bien, ils n'hésitent pas à applaudir. Un public fair play. Ouais, en fait, c'est ça, un public connaisseur. Nouveau corner pour Sefiane. Et la Royal Academy du Maroc qui veut peut-être faire le break maintenant, histoire d'oublier. Il faut profiter. Il faut profiter pour jouer rapidement. Oui, il faut aller très très vite. Ouais, ceci pour créer la supériorité numérique. Ouais, résultat, ils sont déjà de retour dans leur camp, les Marocains.
pas bon. Et Kosono a une belle taille, hein. Le garçon. Oui, c'est numéro 5, la 5 composeur. Oui. Là, le physique de l'emploi. Les Marocains. Et notre ami des arts martiaux. Le DA. De ses chaînes. Rentrer tous pour la sécurité des arts. Issa Traoré, le capitaine. Les Marocains, de plus en plus entreprenants, hein, depuis quelques minutes après l'ouverture du score, savent qu'il y a quelque chose à tenter dans le camp adverse. Un deuxième but leur assurerait presque, hein, de la victoire finale à ce tournoi. Bien joué. Pardon. Bien osé, mais un peu loin quand même. Ouais, et puis choix, on va dire un peu en retard. Il avait l'intention de faire cela, mais après, il a vu qu'il avait un partenaire qui s'engageait. Il aurait dû jouer avec lui. Voilà, là il veut frapper. Mais après, il voit son partenaire qui se dégage, il aurait pu suivre. Maintenant, il a suivi l'instinct de départ. Il s'est avéré finalement pas bon comme choix. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer, un peu plus rapide. Oh ouais, il faut que la sec se réveille. Il faut jouer beaucoup plus en profondeur parce que là, les passes latérales, ça ne fait pas avancer du tout. Hein. Ah, c'est du... Ah, c'est même les mêmes tas, hein. Même les éléphants à tous les niveaux. Le syndrome des centres de formation. Ah ouais. À toi, à moi, et on se complète dans ce... Cette multiplication. Oui, c'est surtout le temps qui avance. Qui dit à l'arbitre, donne-nous pour nous aussi. Réclamant un pénalty après celui accordé aux Marocains. Un supporter, Bibo. Voici Julien Chevalier, entraîneur de l'académicien de la SEC. Lâche le ballon maintenant, voilà, c'est bien joué. Et les Marocains, il faut redresser, c'est bien. Et ballon, il fait sorti, indique l'arbitre. Ah oui, c'était bien joué. Hein. Il avait bien redressé. Oui, bien redressé, surtout deuxième poteau, où il y avait son partenaire, ce numéro 9, El Madi Youssoufi. Ah, c'est pas sorti du tout. Voilà, n'était pas du tout sorti. Oui, c'était un mauvais jugement du premier assistant. C'est-à-dire qu'il y a un peu de chauvinisme un peu. Je sens... Ailleurs, on a dit, il fait combien. Ah, ça, c'est une expression qui a bercé notre enfance. Et des arbitres Covida faisaient de partout. Ouais, dès que, surtout quand le but n'était pas en attractif. Attention, voilà. Trois. Alors maintenant 2 contre 5, ça va être plus difficile. C'est difficile, oui. Mais il s'en va encore au même endroit pour qu'il ait la même faute. Il va le tacler encore. C'est fini. Ah oh but. Alors, il va refuser pour faute de main. Oh là 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 là. Il va refuser pour faute de main. On va revoir.
On va revoir. On va revoir au ralenti. Je suis alors, pas sûr, Bessotte. De cet angle-là, normalement, on devrait avoir une idée plus. Il y a la main quand même. Il y a quand même la main. Oui, il y a la main. Il y a la main. Ah, il est bien malin, hein, notre ami. Là, c'était il a... trop beau. Ouais. Attends, moi, je pensais vraiment pas qu'il y avait de faute de main. Mais bon. Mais le jeu, c'est surtout le jeu marocain qui la joue mal, hein, parce que il lui suffisait simplement de placer son corps. Ouais. Vers le ballon pour pouvoir marquer. Ah, ils sentent qu'il y a un coup à jouer maintenant dans la défense de la SEC. Ils vont tout tenter, hein, les Marocains, pour ôter tout suspense à cette rencontre. Ah, bravo, ce contrôle de poitrine. Attention derrière. Attention, heureusement. Elle n'est pas très sereine, hein, cette défense de la SEC Mimosa. Ah, finalement, je crois qu'on joue 40 minutes. Ils avaient dit 35 en début de tournoi. On joue la 38e minute, donc on considère que c'est 40 qu'on joue. Oui, c'est tombé à la finale. Voilà, donc la finale 40 minutes. Les corners au profit de la SEC Mimosa. Corner de tous les espoirs. Voilà, c'est qui nous a décomposé. Oh, 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 quel but! Oh, quel but! Oh, quel but! Oh, bien joué, bien joué, joué. Bien joué. On pensait la... tout ce qu'il avait raté. Sa frappe, mais là, vraiment, il va nettoyer. C'est le cas de le dire, la lucarne droite de Atim Talil. Alors là, vraiment, nous avons été nous-mêmes surpris. Mais quel but! Quel but tu as aimé? Oui, oui, très, très, très beau but. Il le reprend, il reprend la balle comme elle vient. Et il ne se fait pas de calcul, il allume. Oh là là, très, très bien joué. Regardez cette reprise de volée. Oh là là là. Alors là, vraiment, un véritable bijou de frappe. Et il se plaignait pourtant, les supporters, ils pensaient le ballon perdu. Regardez. Ah, il a nettoyé. Oh là là. Et l'avantage psychologique maintenant change de camp. 1-1. Oh, ce garçon vient de nous faire une Bambasten. Kwao Kofi Frank. Kwao Kofi Frank. Souvenez-vous de ce but de Marco Bambasten. Face au grand Rina Kassayev, ouais. En finale de la Coupe d'Europe. Le ballon était sorti. Alors sur cette règle, beaucoup d'arbitres se méprennent quand même. La règle, c'est que le ballon doit franchir entièrement la ligne pour être déclaré hors du champ de jeu. Ouais. Malheureusement, parfois, on a une partie du ballon dehors, une partie dedans, et les arbitres estiment que c'est sorti. Et les Marocains, tout de suite, c'est bien joué. Les Marocains, la défense, la SEC Mimosa, ne panique pas sur le coup, un peu quand même. Assez bien de voir ces Marocains jouer franchement maintenant. Les 2 minutes de temps additionnel. Ouais, effectivement, il a été tenu par le maillot. On parlera longtemps de ce but. Ouais. Et Kwafou, je pense qu'il va être, ça va être le but du tournoi. Ah, ouais. À moins que quelqu'un d'autre ne refasse quelque chose en seconde période. Ça va être le but du tournoi. Et encore la SEC Mimosa, il n'a pas fait le bon choix de lever. Oui. C'est en l'air, l'arbitre, le gardien est souverain. Vous ne pouvez pas utiliser la main, lui peut, donc surtout ne pas toucher le ballon de la main. Voilà qu'on revoit l'action. Alors Titi Aimé, la SEC avait fait l'essentiel, s'est laissé surprendre et le Maroc du coup désormais plus offensif. Oui, cette égalisation a pour but de sortir les Marocains de leur réserve. Eh bien, ils se sont dit, les Mimosas nous ont rejoints, donc il faut sortir pour aller, il faut les attaquer. C'est ce qu'ils font en ce moment. Alors, ça augure d'une seconde période beaucoup plus animée. Ouais.
quand même une faute sur le joueur de la SEC. L'arbitre va accorder plutôt la rentrée de touche au Marocain. Enfermé sur ce côté droit de l'attaque de la Sécurité Gonza. Alors l'arbitre va renvoyer les deux formations vestiaires. Pour le moment, 1-1 entre la Sécurité Gonza et l'Académie Royale du Maroc. Il y avait un joueur de la Sécurité Gonza qui s'appelait Tidiane Youssouf. Youssouf, voilà, c'est lui que je pensais effectivement. Ancien de la club. Voilà, le capitaine de la SEC, lui, ressemble étrangement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tidiane Youssouf. Allez, on va donc s'arrêter là pour cette première période. Si tu aimais, bonne finale pour le moment. Très belle finale. La SEC Mimosa a pris le jeu à son compte. Et ils n'ont pas été très, très efficaces. Mais ma foi, sur ce but de Kwao Franck. Je vous dis, Benson, que les Mimos sont complètement assurés cette finale. Ouais. Rien que pour ça, on a aimé d'être venu ici à Rodation. On va peut-être voir d'ailleurs les grandes phases de cette première période de jeu. Les occasions, il y en a eu de part et d'autre, notamment du côté de la SEC Mimosa, avec un bon public comme vous l'apercevez ici sur votre écran. Quelques phases intéressantes là, sur ce ballon. Qui aurait pu connaître un sort plus heureux. Il y a du talent, on sent. Hein. Maintenant, on a les mêmes défauts que les aînés. Ouais. Se complaît un peu trop dans les dribbles. On est le privilégié. Et là, il y a le ballon de notre ami Issa Traoré qui aurait pu frapper et marquer. Oh là, et là, c'est un dégagement. C'est qu'il y a eu de nombreuses. Regardez ce plat du pied qui rase vraiment le montant. Ça serait dû normalement être le ballon du 1-0. Et puis derrière, les Marocains n'auront pas beaucoup d'occasions, une particulièrement. Et ils vont se fournir un pénalty. Il sera sur le ballon que vous allez voir tout à l'heure de notre ami. Là, il va tenter le dribble seul face à 3. Et il a toujours été dans les bons coups, Boussefiane. Ouais. Toujours. Le danger est toujours parti de lui, hein, tout au côté droit. Boussefiane, Boussefiane, et voilà. La faute qui provoque le penalty. Il n'avait pas besoin de tacler. Ouais, il n'avait pas besoin de tacler. Il accompagnait, le contrôler pour le faire sortir. Mais ils sont encore jeunes, ils ont le temps d'apprendre tout ça. Le penalty. Transformé imparablement par El Youssoufi. Derrière la SEC Mimosa. Et puis il y a ce bijou. Il y a ce bijou. Le ballon rebondit d'abord et puis. Oh là là là. Quel bijou. Quel bijou. Quel bijou de frappe. Vraiment, là il n'y a rien à dire. C'est un geste de virtuose. Ouais. Voici l'auteur. Le porteur du numéro 2, Kwao Kofi Franck, qui illumine. No, no.
Bon, on a commencé quand même depuis deux bonnes minutes ici à Robert Champoux. Corner intéressant pour le Maroc, tout va être nouveau corner. Les Marocains qui ont failli à l'instant, eh bien, corser l'addition en prenant l'avantage. Donc, heureusement pour la Sécurité Mozart que. Oui, ils avaient une situation de 3 contre 2, ouais. Mais ils n'ont pas pu profiter. Et la Sec qui a procédé à un emplacement il y a quelques instants. Diabaté Ibrahim Latif est sorti. Hors jeu. Il a été remplacé par Guy de Bayo Monseo. On espère que ça va apporter quelque chose de positif dans cette attaque de la Sec Mimosa. Calpi, il sent encore la Sec Mimosa. Et quoi au coup du fond, ça pique pas. C'est l'auteur de du magnifique but que vous avez vu tout à l'heure. Je crois qu'il l'a touché parce qu'il se tient la cuisse depuis quelques minutes pour avoir profité fin. Il y a le jeu de noir avec Adir Angouran. Kosono, Kwaku, Odilon, Issa Traoré. Calpi a levé. Je crois que notre ami qui vient de remplacer Diabaté Ibrahim Gueye a été surpris par ce ballon. Ah, un bon avancement, ne doit pas être surpris. Voici Kwao Kofi qui va mettre dans le tas. Ce sera pour le gardien Atim Talil. Kofi, auteur du but de la Sec Mimosa. Revenir sur ses appuis et trouver Ouattara Kalpi. Adilon. C'est un peu une patrie marocaine. Kosono, avec ses longues jambes, a réussi à intercepter un ballon. Nous également qui a des allus de Bamba Karim, ex-joueur de la Sec Mimosa. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Le défenseur Longélique. Ressortir. La Sec fait bien circuler le ballon. Ouais. Ça plaît au public. Bien, il faut chercher à aller vers l'avant. Guillaume Lasma. Bien joué. Voilà, sur le côté gauche, Sec Mimosa. Si on termine par un shoot, c'est beau. Le Marocain, quelque peu aux abois. Ah oui, il a mis son partenaire en danger. Personne sur cette passe. Et le Marocain derrière, comme à leur habitude. Kosono a mal joué. Kosono. Un joueur marocain qui est touché. J'espère qu'il a pris un coup au genou, Bertrand. A mon avis, ça n'est fini de sa participation à cette finale. Il y a du beau monde derrière quand même. Donc normalement, on ne devrait avoir aucun mal à pallier cette défection. Et les supporters qui sont pas tendres hein, avec les jeunes gens leur demandent de jouer franchement. De ne pas voir. Les Marocains, Anas et Daou. Ils
ce qu'on appelle... Garçon, si c'était un chanteur, on aurait travaillé sur lui. Hein. Ce qu'on appelle condition. Ouais, condition. Ah, c'est trop téléphoné, mon cher ami. Et là, c'est Pimosa. Au genou. Latéralement, on va trouver son capitaine. Il s'est trouvé. Là-haut. Adiran Gouran Junior. Rao Kofi. On n'est pas sorti. Il lui faut du soutien. Il est tout seul là-bas dans l'angle. Il va obtenir un peu de touche. Voilà, c'est tout ce qu'il pouvait obtenir de mieux. Ouais, je pense qu'il aurait pu venir en arrière, hein, tranquillement, avec tous mes partenaires. Il a cherché la difficulté. Bon, l'arbitre est un peu gentil à mon avis. Il a bien plongé. Hein. Ouais. Il avait déjà perdu le ballon. Ouais, c'est un vrai plongeant de nageur. Là, il a perdu le ballon, puis voilà, on va se jeter. Ouais. L'arbitre se laisse prendre un peu au jeu et accorde un coup franc. C'est trop téléphoné tout ça. C'est prévisible. Yemela Soumaloumi dans le tas. Ah ah. Le gardien s'était troué, Benson. Ah, il s'était troué. Eh bien, oui, sur cette sortie, ça empêche donc le joueur de la SEC Mimosa de scorer parce qu'il a les yeux fermés. Là, on va le voir. On va le voir parce que la sortie du gardien perturbe énormément l'attaquant Mimo. Ah, il aurait pu rester tranquillement derrière hein, pour récupérer ce ballon. C'est comme ça qu'ils ont gâché les occasions en première période. Avant de se faire corriger. Se mordre les doigts après. On pousse le ballon. Mais pour le moment, il n'a pas encore montré tout son talent en Gueye de Bayo. C'est un nom de chanteur tradit moderne, Gueye de Bayo. Ah, c'est vrai, on ne dit pas Pablo de Gokra ou Gueye de Bayo. Allez, on va retrouver un peu plus sérieux dans cette rencontre avec les Mimosa qui vont tenter d'amorcer une offensive. Les voici qui contrôlent bien joué. L'autre côté, voilà. Voilà, c'est bien. Il faut s'appliquer maintenant dans le centre. Parce qu'il y a au moins des partenaires bien placés dans le camp marocain. Il faut envoyer le ballon. Ah, c'est pas bien joué. Je récupère quand même. Kouaou Kofi a tenté 1-2. Ça fonctionne le ballon. Bien. Ah, c'est dommage. Il faut s'appliquer. Et la frappe derrière. Ah, Sek Mimosa. But. Sek Mimosa. Très bien joué, comme quoi il faut jamais, pour un gardien de but, repousser le ballon dans la toupe de réparation, dans l'axe. Et qui a marqué? Gueye de Bayo. Gueye de Bayo, excusez-moi de le dire, Benson. Oh là là, la Sec Mimosa. Bien joué. Ils sont partis de la droite vers la gauche. Ils sont revenus à droite pour repartir ensuite à gauche. On revoit là-bas. Mais c'est surtout l'application de ce numéro 2. Qui envoie le ballon. Oh là 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 là. Très bien joué. Alors, notre ami Atim Talil, bon gardien, hein, vraiment, il fait ce qu'il a à faire. Oui, 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 il fait l'essentiel, mais Benson, malheureusement pour lui, voilà. Il renvoie le ballon dans l'axe. Ah, ben il n'a pas beaucoup de choix. Hein, oui, lui, il aurait pu mettre sur le côté, à mon avis. Eh ben, c'est dans la spontanéité que tout s'est passé là. Ouais. Ah, malgré un retour d'un défenseur marocain, il a quand même eu le pied heureux, notre ami
Gueye de Gbayo. Gueye de Gbayo. Gueye de Gbayo. Il n'a pas dû me moquer de lui. Il m'a bien montré qu'il est un excellent footballeur. Enfin, un bon buteur, en tout cas. Et là, la partie va quelque peu s'affoler. Les Marocains qui procèdent à un changement. Oui, il s'agit du numéro 19, Falil Adal, Adil qui va sortir. Vous laissez la place au numéro 18, Oussama Fallou. Ouais. Oussama Fallou qui a pris part à la dernière rencontre. Ouais, absolument. Absolument. Les Marocains, ah, maintenant, ils vont se porter à l'offensive. Hein. Ils n'ont plus de choix. Ouais, hein. Il n'y a plus de match à gérer. Ouais, ouais. C'est la finale. Et donc, il faut sortir maintenant et jouer carrément. Et De Bayo qui va mettre la pression sur l'écran marocain. Et De Bayo, il est plus frais que les autres. Hein, donc, ah oui, oui, il y va fort lui. Hein. Très mal joué de la part de ce joueur marocain. Il aurait pu jouer carrément sur le côté droit là-bas, où son partenaire était totalement débarqué. Vous avez vu la poitrine du joueur marocain. Ouais, alors, les Marocains perdent beaucoup de ballons en ce moment parce qu'ils se précipitent. Ils n'ont pas la vista, hein, les joueurs de la. Vous lâchez le ballon, voilà. Vous lâchez. Pour revenir, voilà. Et s'appliquer. Voilà, c'est bien, c'est bien. Contrôle, Gueye de Gbayo, bien joué. À 5 Mimosa. À 5 Mimosa. Très bien joué encore de la part de Kwao Kofi Frank, qui met parfaitement sur Obit son partenaire dans l'axe de la surface de réparation. Eh bien. Il ne faut pas prier les mimos. Le numéro 22, à mon avis. Est-ce que c'est vraiment le numéro 22, je crois. Le numéro 12. Golibi Abdoul. Oh là là, le numéro 20. Le numéro 20. Ouais, le numéro 20. Yoré Zegbeyi Christ. Zegbeyi Christ. Quelle adresse, c'est bien joué, Benson. Ah, il frappe là où on n'attend pas. Hein. Oh, je m'attendais ouais. À l'autre côté, moi. Oui, tout à fait. Ah, malgré le tour de notre ami Atim, le ballon va quand même poursuivre son chemin vers le filet. Alors. Encore une fois, vous verrez bien, quand on va revoir les actions, votre ami, le buteur donc, de la première période, Kwao Kofi, encore une fois à la base de l'action, c'est lui qui envoie le centre pour changer complètement la direction du jeu qui aboutit finalement. Il l'avait déjà fait sur le deuxième but. Voilà, sur le deuxième but, et là il est revenu encore sur le troisième but, vous l'avez, dans la précision. Voilà, on l'a bien signalé là, sur le deuxième but, et je l'observais sur ce troisième but effectivement. Il a encore sa précision. Lui ne se complaît pas, on va dire, dans les balles. Il ne fignole pas. Il est tout de suite porté vers l'avant en cherchant le partenaire qui est toujours le mieux placé, le plus près possible du gardien. Et ça portait deux fois ses fruits. Eh bien, comme par surprise, le buteur, le troisième buteur, là, Zogbeyi Yoré, va céder sa place au prochain temps mort. À Kone Lassine. Ah, dès qu'il s'échauffe Kone Lassine, on a l'impression qu'il va venir marquer tous les buts maintenant. Hein. Je me rappelle quelqu'un voilà. Lors d'un match de la RTI à Daoukro. Il était porteur numéro 10, n'est-ce pas? C'était un Jasoukou. Superbement habillé. Et l'échauffement avait donné lieu à l'applaudissement du public. Il a à peine touché le ballon. Qu'on a sifflé la fin du match. Sévèrement battu. La RTI avait été sévèrement battu. Et à la question du coach, il lui dit, mais on t'attendait. Il demande au coach, ah, c'est sûr, moi, tu comptais pour égaliser. Il ne fallait pas me mettre en place. On avait bien rié, j'aurais, effectivement. On va lui dire bonsoir à Ange, à Soukou. Et là, les mimos, tout tranquillement, Benson. Ouais. Ils conservent le ballon, ils n'ont plus la pression. Ouais, parce que c'est eux maintenant qui mènent au score.
on va dire assez confortablement d'ailleurs, ouais, pour se permettre quelques contrôles approximatifs. Alors on voit très bien qu'il lève le doigt, hein, qui attend un ballon tout seul sur le côté droit. Oh, Kofi. C'est aux Marocains de sortir maintenant, de venir chercher les mimos. Ouais, parce que la sec ben. Ouais, ouais, les carreaux sont cuits. Ah, votre ami Kéhi de Bayo. Ah non, c'est plutôt le numéro 12, Volibi. Il se complique pas la vie, hein, vraiment, ce Kwao Franck. Oui, il joue utile, il joue utile, il joue juste. Comme c'est bien comme ça pour son âge. Comme disait Oscar Foulonné à l'époque, jouer simple, simple, simple. Là, on aperçoit votre confrère dans la main courante là-bas, Philippe Doucet. Ah oui, absolument. Oui, il ne rate aucune occasion, hein, d'être à Abidjan. C'est un beau pays, la Côte d'Ivoire. Ça ne lasse jamais. D'effectuer il y a une main. Un séjour quand on est étranger. Et ça fait beaucoup de plaisir, évidemment, qu'on reçoit nos confrères et tous les amis. C'est un honneur de venir ici. Pas réussi à tous les coups, hein. Pas réussi à tous les coups. Okay. Le ballon. Il avait peut-être plus facile à faire. Le ballon sur le côté. Heureusement qu'il se fourvoie lui-même. Le capitaine peut rattraper son erreur. Parce qu'il n'avait pas bien joué sur ce coup-là, le capitaine. Allez, il faut lancer l'offensive, il faut lancer. On veut du spectacle. Ça va à tous les coups revenir sur Kwao Franck. Alors, il semble que les choses se soient un peu calmées, hein, dans le football ivoirien, dans l'élite. On va reprendre finalement le football sur le terrain. Ah, c'est Mimosa. Ah, c'est bien joué. Il faut s'appliquer maintenant. Il y a pénalty, monsieur l'arbitre. Il y a faute. C'est pas terminé. Il y a une grosse faute, mais l'arbitre n'a pas laissé jouer. Ouais. Comme dirait quelqu'un, on ne tire pas sur une ambulance. Encore moins sur un corbillard. Une petite pause encore, permettre aux joueurs de se rafraîchir. Une pause d'une minute, prévue par permettre aux gamins de se rafraîchir un peu. Voilà. Et Pascal Théo, que vous apercevez là de dos tout à l'heure, la César de Odaï Chaillet, pardon. Pascal Théo, c'est le monsieur à la casquette rouge. De voir voilà, ce ballon complètement raté par le gardien Atim. Et derrière, voilà votre ami, regardez, oui. Le 1-2, c'est lui qui s'applique là sur ce centre. Et derrière, il y a ce deuxième but. Et c'est encore la base, hein. On va voir tout à l'heure du troisième but. Waouh, ah, Guy Demo. Le public de la SEC, évidemment, aux anges. Regardez encore notre ami Kwao. Il va s'appliquer encore, vous voyez, dans le centre du troisième but. Ouais. Si c'est le troisième but, si c'est extérieur, ouais. Toi. Il y aurait Zegbeyi Christ pour le troisième but. Bassoré, il va se tuer. C'est
sacré bastonnier. Je raconte toujours cette anecdote. Je lui posais une question il y a quelques années. Vous qui êtes tellement à 5, si au moment où sa femme devenait d'Afrique, si, et si ma petite fille vous disait qu'elle supportait l'Africa, il me dit, monsieur le journaliste, si vous n'avez plus envie de faire l'interview, laissez-moi un peu, ne dites plus jamais cela. Ne m'envoyez pas cette malédiction. On a repris. Ils sont nombreux comme ça qui nous ont quittés. Oui, oui, c'est vrai. Faites rappeler les belles époques. À Tupac Paul, à Niawa. Yabakouin, à Vieux Mimo, à Kassi, à mon ami personnel, Kou Gabriel, l'homme à la calebasse. Ouais. Feu Bamba. Oui, c'est vrai, j'avais Bamba aussi. Pour l'équipe du Maroc, ils vont peut-être profiter de cette balle arrêtée pour se remettre dans le match. Peut-être faut frapper et bien joué. Heureusement qu'il ne relâche pas le ballon. Hein. Bien joué le gardien du Marocain, bien joué de la part du Marocain, mais aussi du gardien de la sélection. Ouais, notre ami, hein, notre ami Soufiane. Hein. Encore, c'est fier. La balle de ce tir. Là, c'est Kouaou encore. Il est très appliqué, hein, Kouaou. Ah, mais il y a la main, monsieur l'arbitre. Et il y a un carton là. Absolument. Parce que là, elle est totalement volontaire. Voilà, un carton bien mérité pour. Il était lobé. Salah Edouard Bouib. Un remplacement côté Sekimosa. Ah, c'est un gamin qui arrive. Hein. Lui, il ressemble vraiment à un tout petit. Alors, il s'agit de Diallo Abdulaziz qui est sorti et qui rentre. Et qui laisse sa place, qui rentre à la place de Kostonou Kwadio, Kwaku, de Dilon. Vous avez entendu ce Kwao, il est arrêté à la Ronaldo. Quelle précision ce garçon dans ses pieds. Et le supporter qui dit, vous voyez comment il a arrêté comme but. Il faut mettre la pression, il faut mettre la pression sur lui. Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'il n'est pas très très à l'aise, hein, ce longiligne défenseur. On appelle un certain Khaled Badran de l'assurance de Tunis. Oui, bon, enfin, je n'ose pas dire Titi Aimé. Lui était plus sûr, hein, Titi Aimé, à l'époque. Je vous en prie, Raka Sultan. Encore du temps, encore du temps. Encore une bonne quinzaine de minutes. Un bon quart d'heure. C'est largement suffisant pour les Marocains pour revenir. Ah oui, ou pour la SEC pour mettre fin définitivement au débat. Et les Marocains semblent quand même avoir accusé le coup. Hein, oui, c'est ça, c'est vrai. Ils avaient espéré réussir le parfait Ldop à Abidjan. On va l'enlever. La défense de la Royal Academy du Maroc, quelque peu perturbée, ne cède pas néanmoins. Et les jeunes et noirs, toujours en phase offensive. Bon, on réussira. Il avait réussi quand même à redresser ce ballon. Avec cette passe dans le dos de la défense. Ouais. Eh bien, Kouaou Franck toujours à la pointe du combat. Alors, petit enseignement quand même, Titi Aimé. Pour beaucoup de ceux qui se demandaient ce qui se faisait du côté de Solbeni, on a une idée quand même de l'énorme travail qui est abattu. Ah oui, ils sont à féliciter les techniciens là-bas. Ouais. Je pense à Clé Willy Mathias. Ah oui, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. Bamogo, Boukari, évidemment le coach Gigi aussi, Traoré Seka, évidemment
failli dire l'homme de police, Bakary Koné, c'est un gardien lui-même de la Sécurité Mosa, qui donne de leur temps, de leurs conseils, de leur intelligence vraiment à l'éclosion de la future génération de footballeurs en Côte d'Ivoire. On n'en parle pas assez, mais il faut les saluer. Hein. Tous ces hommes, Clévis Maltès, on l'a dit, hein. Ces hommes et ces femmes, qui du côté de Sol Béni, mais aussi de deux autres centres de formation, eh bien, travaillent jour et nuit, parfois sans grand moyen, avec la force de leur seule passion, pour permettre à ces jeunes gens de rêver à une future carrière de footballeur. Abdoulaziz, Paolo Kofi. Il a vraiment une intelligence de jeu, ce garçon, Paolo Kofi. Chaque fois qu'il sent qu'il y a des difficultés, ben, il sort carrément de la trappe. Santé-Marie, c'est sous ton père. Et ça Traoré, le capitaine. Envoie un long ballon. Abdoulaziz a récupéré. Il a une démarche un peu à la Madinho, je ne sais pas si vous en avez parlé. Oui, tout à fait. De la manière de couvrir de ce garçon hyper talentueux. Hein, Madinho, malheureusement, desservi par les nombreuses blessures. Évidemment, il donne l'occasion chaque fois de parler de cette première promotion de l'académie. Immersive comme avec les pays Joss. Lui, le terrain de génie. Madinho, Joss, on l'a dit. Amnia Diaki. Le capitaine. Il y avait aussi Diabis. Junior, évidemment, le capitaine. C'est vraiment un milieu de rêve. Hein. Et je ne parle pas des attaquants. Zezeto, qui est revenu au pays. Tony, Aruna, Dendane. Oui, alors, il faut remarquer que tout à l'heure, quand nous avons cité les techniciens de la SEC Mimosa, nous n'avons pas trop souligné le nom du patron de l'académie, ouais. Julien Chevalier. Oui, c'est vrai, parce que... Le français Julien Chevalier. C'est lui qui coiffe toute la... la machine donc de fabrication de footballeurs de talent, mais je vous salue également. Julien Chevalier, 70 minutes, encore 10 minutes à jouer. Et le score, comme vous le voyez, 1 pour l'Académie Royale du Maroc, 3 pour la SEC Mimosa. Je rappelle que la SEC avait déjà remporté ce tournoi à la première édition en s'imposant au FC Barcelone. Ni plus ni moins. Avant de perdre la deuxième édition finale face au West African Football Academy du Ghana. Ah, c'est numéro 15, la SEC vous a. Pas de questions, hein. Éloigner le ballon de son camp, c'est tout son problème. Voici d'ailleurs la lutte. Et tranquillement pour le gardien. Avec une coiffure afro qui rappelle les années 80. Si c'est Djibril. Si c'est Djibril, il y aurait des pieds et 1000 personnes. Mais nous aussi, nous avions obtenu. Ah, j'ai une photo d'ailleurs, hein, au jour où tu es en train d'être député quelque part à Tchengele. On va sortir les photos de l'époque avec les afros. Les amis, non seulement beaucoup de cheveux, mais des tout petits shorts de l'époque. Ouais. La SEC au petit trot se contente d'observer. La SEC, le dos, le ballon. Ah, c'est bien joué, cette roulette, c'est bien joué de El Belali Anama. Les Marocains derrière vont tenter. Il est hors-jeu, il est hors-jeu. C'est l'arbitre là, il y a hors-jeu grandement, mais derrière,
Notre ami de 15 ans, vous a dit, il ne se pose pas de questions. Pas de questions. Il veut le couper la trajectoire du ballon. Il a un physique de quelqu'un qui doit réussir dans le football. Ouais. Un physique de grand défenseur, je le vois très bien dans une grande écurie européenne. Ouais. Cyril Nolbet, bon, on va faire sa rentrée. Cyril Nolbet. Maintenant, c'est l'œuvre en Côte d'Ivoire, Cyril Nolbet. Le doyen perd, on va dire, un de l'athlétisme en Côte d'Ivoire. Le ballon levé à défense de la Sec Mimosa. Si ça peut plaire, pour assurer le résultat, c'est bien, mais j'aime pas beaucoup. Ça les passe. Ouais, le temps qu'on perd, quand on peut marquer encore des buts. Il avait réussi Kwao à centrer sans élan. Ah ouais, c'est un tout cas le plus serré hein, de l'équipe. Ouais, ça va être facile, hein, tout seul contre 4. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit parmi les meilleurs joueurs du tournoi, c'est Kwao. Ouais. En plus du beau qui vient du but qui vient de marquer. Ouais, il a du potentiel en tout cas pour l'avenir. Encore 5 minutes au moins, hein, messieurs les supporters. À sec. Ça, le tacle sacrificiel, c'est complètement donné pour son équipe. Il tire le 4e but. Et derrière, les jeunes noirs, à sec. À sec qui est en train d'enflammer un peu le public ici. Et les Marocains. C'est Cyril Nolbet, moi, quand même bien rentré dans ce match. Hein. Parce que depuis qu'il est rentré, il touche à presque tous les ballons. Allez, la 7 gère tranquillement. On avance au score. La longue transversale pour notre ami Kwao. Kwao. Ah, il a tenté un lob. Il a tenté un lob. Alors, s'il réussit ça, oh là là. Il est l'homme du match. Après un but de toute beauté en première, il en marque un autre dans le deuxième. Alors là, il aurait été l'homme du match. Tout à fait, Bertrand Pierre. Allez, à Tim Talil. On le voit sous ce contrôle. Oh là là là, c'est bien joué, mais. Ballon un tout petit peu trop élevé. Un nouveau emplacement côté à cette ligne là. Ça passe au nom sur la feuille de match. Ah bon, si c'est Fofana Alassane, oui, Fofana Alassane. Il va remplacer le numéro 3. Ouattara Kalpi Wilfried.
remplacement également côté marocain. Oui, le numéro 5, Abdelkadi Amkar, remplace le numéro 13, Salahidine Douib. Dernière 4 touches donc. Attention, attention. Voilà. Ballon qui a fusé. C'était bien joué, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux, notamment en cherchant le numéro, son partenaire, le numéro 12 là, qui venait de rentrer. Malheureusement, apparemment, il ne l'a pas vu. Ah, il rate complètement le marocain. Il aurait dû rebloquer le corner tranquillement. On entame la 80e minute, la dernière minute de ce temps additionnel. Et le score est toujours de 1 à 3. 3-1 pour la SEC Mimosa. Abdelaziz. Diallo Abdelaziz. Ballon récupéré. À la SEC Mimosa. Ah, il n'a pas osé mettre le pied. Oui, si son contrôle était trop long. Attention, attention. Il faut être sûr de soi hein, quand on sort comme ça. On va mettre quelques petits gestes fantaisistes. C'est venu les bas. Et 3 minutes de temps additionnel. Changement. Ils vont se gêner les deux. Et derrière. Ah, il faut se parler. Il faut se parler. 3 minutes à jouer. Il n'a même pas regardé. Le joueur marocain n'a même pas regardé. Sinon, il aurait vu que aucun de ses partenaires n'était démarqué. Et la 5 Mimosa, tranquille, en cette deux dernières minutes. Et sauf cataclysme, devrait donc s'approprier cette troisième édition. On a vu quelques retournements extraordinaires de situation en football. Mais bon, l'attitude marocaine non plus ne... ne vous rassure pas. Ouais, ouais, on va dire, ouais. Il semble résigner, ouais. Les jeunes marocains. Se contenter de la médaille d'argent. La SEC derrière a tenté de planter peut-être un quatrième but. On va changer le côté. Elle est tout seul. Elle va s'enfermer. Les défenseurs de la SEC jouent bien là, ce coup parce qu'il le contrôle, il l'amène à l'extérieur. C'est ça. Et voici Tissus, le capitaine de la SEC Mimosa, Issa Traoré. Allez, encore 50 secondes. Et la SEC Mimosa pourra brandir le trophée de la troisième édition de ce tournoi. On n'est pas sorti. Elle a rentré les touches. Ziad Fekri a gagné quelques mètres. Ziad Fekri encore.
y a une faute, mais... L'arbitre est compatissant. Il est compatissant. Ouais. Allez, c'est bouclé, hein, c'est terminé. Troisième édition du tournoi international du district d'Abidjan. Vainqueur ASEC Mimosa. Comme à la première édition, les Mimos vont avoir raison, cette fois de l'Académie Royale Mohamed VI du Maroc. 3 à 1. L'arbitre voilà, a porté le sifflet à sa bouche. Et sur ce, et dès qu'il va dégager, il va siffler. Et c'est terminé. ASEC Mimosa remporte donc le TIDA 2000. Alors, rappelons qu'il y aura les remises de... Volcan Junior qui reçoit donc... va être récompensé. Les amis de Guinée équatoriale, voilà, qui reçoivent maintenant leur trophée de participation. La Fondation Bata, Bata d'excellents souvenirs. Ville qui restera marquée dans la mémoire du football. Laurier continental au niveau du football des seniors. En 8 février, dimanche 8 février 2015. Nos amis de l'Autriche, donc Red Bull Salzbourg, Académie Royale du Maroc. Peuple charmant, hein, peuple marocain. On va aller chez Burkina Faso. Voilà, la Sacré Mosa qui reçoit. Ce monsieur-là a formé... Voilà, les deux meilleurs buteurs hein, de ce tournoi avec 4 buts chacun. Ouais, ouais. Barou Karim du Royal FC et Mohamed Aminou du Ghana, du West African Football Academy. Alors, le meilleur joueur, vous n'êtes pas surpris, hein? Votre ami Hicham Boussefiane. Voilà. Voilà. Lui qui a provoqué le pénalty. Oui, tout à fait. Son football, il avait tout son talent. Oui, il a essayé de tirer son équipe vers le haut. On voit avec quelle intelligence. Ben, bravo à ce garçon. Ouais, ouais. On voit dans son visage que c'est un garçon, un petit, un enfant, on va dire. Tout petit. Vous avez failli dire un petit ange. Oui, tout à fait. Regardez, une coiffure un peu la Neymar. Ouais. Oui, belle chose, il a fait des très bonnes choses. Il a fait des très belles choses. Alors l'équipe marocaine qui voilà qui rafle quand même deux grands trophées importants. Ouais. Il a raté la finale de match, mais bon, qui est quand même le meilleur gardien et le meilleur joueur du tournoi. Il a retrouvé le sourire. Ouais, il a retrouvé le sourire. Le loin Jean Charlemagne. On va dire c'est une cérémonie de clôture, donc voilà, on va suivre ce qui nous donnera l'occasion de une médaille, voilà, des mains de Sori Diabaté. Alors demain il y a championnat donc de Ligue 1, qui reprend ses droits avec ASEC Africa, ou précisément Africa ASEC. Parce que demain, c'est l'Africa qui reçoit. Et vous retrouverez. Vous retrouverez demain Alain José Ricardo Zama.
j'espère simplement que la fédération et les clubs n'étaient pas contents de trouver un terrain d'entente. Il va de la notoriété de notre football. Et de toute façon, c'est la même famille. Il n'y a pas de raison que les palabres durent éternellement, trop rapidement. Il faut encore le dialogue à triompher. Oui, absolument. Il faut. Hein. Je pense que personne ne sort vainqueur d'un tel conflit. On a simplement attiré parce que bon, beaucoup estimaient qu'on avait un peu trop tapé sur les. Ouais, ben non, c'était plutôt l'image du football ivoirien qui nous intéressait vraiment. Les raisons des uns et des autres trouveront certainement une solution de forfait, un direct sur les antennes. Beaucoup de nos confrères à l'extérieur nous ont appelés pour recevoir les ovations du public qui a apprécié l'esprit de cette équipe-là. Et maintenant, les trophées vont être, les médailles vont être remises par Pape Diouf, le vice-gouverneur et Pape Diouf. Voilà, précisément. On va saluer le colonel Kodé Mamadou sur vraiment cette initiative qui donne une très 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 belle image vraiment du sport en Côte d'Ivoire et qui on espère donc va inscrire Abidjan au calendrier des dates à retenir pour les compétitions de jeunes désormais comme Naguère, vous l'avez noté, Montaigu, Toulon. Vieux Condé. Voilà. L'occasion donc, chers téléspectateurs, puisque le capitaine doit recevoir son trophée, certainement. Ce trophée qui nous permettra de vous dire merci à vous, Tchétchi Aimé. Merci, qui avait accepté, mardi dernier déjà, et aujourd'hui un théâtre monstre qui avait donc vu un accident cet après-midi sur le boulevard Lagunaire. Malgré tout, vous étiez bien à votre poste cet après-midi. Le major Kouadio. Vraiment saluer tous les téléspoulots du travail. Nous obligés d'être là en direct aujourd'hui. On va lui dire donc Yako, tout cœur évidemment avec lui. Et voilà, honneur au vainqueur. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long donc, de ce tournoi international du district d'Abidjan, 3e édition, la Sec Mimosa, qui est donc vainqueur de la 3e édition et qui peut savourer